prendre le temps de se préparer spirituellement. Elle espère être encore en vie pour ces quatre personnes. Et enfin, elle fait le vœu de mourir dans sa maison. Mais Dieu ne lui accordera pas le privilège de réaliser le dernier de ses objectifs, celui de mourir à la maison. Le déluge du Saguenay, survenu en juillet 1996, est venu contrecarrer ses plans. Les pluies démentielles que la région connaît depuis le début de l'été ont fait monter à ce point le niveau d'eau des rivières que l'on craint qu'elle ne déborde. Le 20 juillet, au fin d'après-midi, on frappe aux portes. C'est l'évacuation.